On a vu que l'homme et le chimpanzé sont deux espèces qui sont très proches et que le chimpanzé et l'homme donc, ont des relations de parenté. On a vu également que du point de vue du génome, le génome de l'homme et le génome du chimpanzé étaient très ressemblants, avec plus de 97% de ressemblance. Pourtant, quand on observe le phénotype d'un être humain et le phénotype d'un chimpanzé, il semble quand même que les différences soient suffisamment nombreuses pour que ça choque un petit peu de se dire qu'on ait si peu de différences du point de vue génétique. Seulement 3% de différence, et pourtant on ne se ressemble pas tant que ça. Les différences morphologiques sont nombreuses. Déjà, la taille, puisqu'on a un être humain qui est bien plus grand que le chimpanzé. Si on s'intéresse à la forme du crâne, on a pour l'être humain une face plate, un menton présent, une absence de bourrelet au-dessus des orbites, un front présent et un crâne assez volumineux. Tandis que pour le chimpanzé, on a chez le chimpanzé adulte un menton absent, un front fuyant, des bourrelets sous-orbitaires, c'est-à-dire des reliefs au-dessus des orbites oculaires, et surtout une face prognate, c'est-à-dire une mâchoire projetée vers l'avant. En dessous du crâne, la position du trou occipital chez le chimpanzé est située en arrière, ce qui favorise la quadrupédie, tandis que chez l'homme, la position du trou occipital est centrée. Donc ça fait quand même beaucoup de différences, et ces différences morphologiques sont nombreuses, et les différences génétiques sont faibles. Comment expliquer qu'avec très peu de différences génétiques, on ait autant de différences morphologiques? L'explication se trouve au niveau de l'expression des gènes de développement. Puisqu'on a très peu de différences génétiques, mais ces différences génétiques concernent des gènes qui contrôlent le développement pré- et post-natal. Ces gènes, leur expression au cours de l'évolution de la lignée humaine a été modifiée, et ces gènes ont été modifiés dans leur chronologie d'expression et dans leur intensité d'expression. Si bien que quand on s'intéresse au développement pré-embryonnaire, prénatal et post-natal, on a une phase embryonnaire chez l'homme dont la durée a été augmentée, une croissance du crâne dont la vitesse a été ralentie, une croissance du bassin dont la vitesse a été accélérée, une croissance du squelette dont la durée a été prolongée. Donc très peu de modifications génétiques, mais des modifications qui concernent les gènes du développement, si bien que les phases du développement pré- et post-natal ont été modifiées dans leur intensité, dans leur vitesse et dans leur durée. Le fait que la phase embryonnaire dure plus longtemps explique que le nombre de neurones chez l'être humain va être plus important. Le fait que la croissance du crâne soit ralentie va expliquer le fait qu'il y aura peu de changements de forme du crâne au cours de la croissance. On avait vu que chez le chimpanzé, au niveau du fœtus et du jeune enfant, on a une face plate, on a un front présent et on a une absence de bourrelet sous-orbitaire. De plus, on a un trou occipital qui est centré. Et que entre le jeune chimpanzé et l'adulte, la croissance fait que le crâne se développe tellement que la face devient prognate chez l'adulte, les bourrelets apparaissent et le crâne croît vers l'arrière, ce qui fait disparaître le front. Donc il y a de forts changements entre l'enfance et l'âge adulte chez le chimpanzé du fait que la croissance du crâne est très importante. Tandis que chez l'être humain, les gènes qui contrôlent la croissance du crâne ont fait diminuer la vitesse de la croissance du crâne, si bien qu'il y a peu de changements de la forme du crâne, la face va rester plate et le trou occipital va rester centré, ce qui favorise la bipédie. Ensuite, on a la croissance du bassin dont la vitesse est accélérée, ce qui va faire que l'être humain a un bassin plus large que le chimpanzé. Ce bassin plus large va faciliter également un déplacement sur les deux jambes, donc la bipédie. La croissance du squelette, elle, quant à elle, voit sa durée augmenter, ce qui va expliquer que le squelette de l'homme aura une taille plus importante que le squelette du chimpanzé. Donc, pour conclure, on voit bien qu'il suffit de très peu de différences au niveau des gènes. Si ces gènes qui sont modifiés sont les gènes qui contrôlent l'intensité et la chronologie de l'expression des gènes du développement, alors les différences phénotypiques seront très importantes. Donc avec quelques gènes qui changent, si le développement pré- et post-natal est altéré, modifié, changé, on a des grands changements et le phénotype sera très différent entre l'homme et le chimpanzé.